Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Le quintet de lundi 22 août sera à Clairefontaine sur le cèpe la chasse de 4500 mètres. C'est un grand prix. La corde à droite, terrain souple. Sur la 8e course de ce réunion. Ils seront 14 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 1, Dubourg, 15 contre 1. Le 3, Pédibourg, ce sont de même famille, 6 contre 1. Le 6, Philippe Perron, 11 contre 1. Le 8, Giuliani, 5 contre 1. Le 11, Gaudron, 10 contre 1. Et le 12, Lefebvre, avec 8 contre 1 à la côte. Les grands favoris donnés à la fois, le 8, 5 fois, le 3, 4 fois. C'est un parcours propriété aux spécialistes de cette discipline de staple chasse. La piste soit en herbe, ligne d'arrivée à 300 mètres. Il y a deux écuries dans ce quintet. C'est le cas de Chahi. Il a le 2 et le 3. Et Nicole a le 7 et le 8. Voilà. Alors que la sélection du jour sera 11-12, le tuyau, le 8. Et les belles chances, le 1, le 3, le 6, le 9 et le 5. Alors, on trouve en bas du tableau les gros outsiders qui peuvent créer la surprise. C'est le cas du numéro 14, 13, 10. Et 7. Aussi des belles outsiders comme le 5, le 2 et le 4. Il y a aussi deux concurrents qui sera leur premier handicap dans ce quintet. C'est le cas du numéro 7 et du numéro 12. Attention à ces deux concurrents. Clairefontaine, réunion 1, la 8e course. Les favoris 8, 11, 12. Les favoris cachés 1, 3 et 6. Outsider 5, 2 et 4. Les tocards 14, 13 et 7. Écurie 2, 3, 7, 8. Tuyau de cette course, le 8. La sélection 11-12 et les belles chances pour vous aider pour faire une bonne combinaison. Je vous donne 1, 2, 3, 8, 11, 7, 14, 6. On passe au bal. Première base, le 8. Deuxième base, le 11. Possible un favori logique peut être à l'arrivée le numéro 12. Les As ont donné 3, 2, 6. Écurie de 3, 7, 8. Entraîneur en forme, 4, 7, 8. Les jockeys en forme, 4, 7. Ce sont des chevaux d'écurie de Nicole. Franck Nicole. Alors on passe au classement de ce quintet avec les 6 grands favoris. En haut, on voit le 8, le 11, le 12, le 1, le 3 et le 6. Comme d'ailleurs, nous prenons nos bases avec
plutôt par les favoris. Deux favoris ou trois favoris maximum. C'est comme ça le jeu. Vous prenez un outsider ou en tout cas dans vos bases pour former un champ total ou un champ réduit. Puis vous pouvez ajouter les autres chevaux qui restent. Ça dépend de votre argent du poche. Alors, je vous souhaite toujours bon jeu demain pour passer à la caisse et pour prendre des bons rapports. Je vous trouverai, Inch'Allah, demain à la même heure pour vous donner mes infos, mes sur mes infos sur le quintet de mardi, Inch'Allah. Alors je vous laisse. Bonne soirée et à bientôt.